Saint-Germain, à côté du pub. Moi je suis au... ici. Ça doit être ma chambre. Sans déconner, c'est encore une très 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 belle chambre. Ici on a un placard à vêtements, ici on a un placard tout simple. Nous avons ici une salle de bain complète, baignoire et tout ce qui s'ensuit. Nous avons tout de suite là l'entrée à bureau pour la connexion internet. Un placard. Petite commode, télé, grand plat, grand lit, porte-bagages, climatisation bien sûr, le coin sympa pour la pause, le canapé, la vue sur Rimouski qu'on verra demain quand il fera jour. Et en bonus, le coin cuisine, totalement équipé. Bref, autant dire une belle petite chambre. Il manque juste peut-être une œuvre d'art là, mais encore. Voilà. Ma chambre à Rimouski jusqu'à dimanche. Et on réveille. Vue sur Rimouski ensoleillé. Donc moi je suis en plein centre-ville. Il y a vraiment un petit peu de vent. Drapeau du Québec qui flotte sur le ciel un petit peu nuageux. La cathédrale. Le Saint-Laurent. On va aller faire un petit tour, une visite de Rimouski. On est voici sur la rue Saint-Germain, pas loin de la cathédrale, et rue Vimy. Rue Vimy, là-bas il y a le Saint-Laurent, et là il y a mon hôtel. Je paye pas de mine, mais dedans très bien. Alors on a changé de température, hein. On est passé de 15 à je ne sais pas beaucoup, parce que ça pique. Voilà, hôtel. Vraiment, alors là on se dit tiens, ça bouge. Non, très très sympathique hôtel, très belle chambre. Alors on va aller voir un petit peu plus loin le Saint-Laurent. En plein centre-ville, à côté de la grande place, un centre commercial qui disent qu'il est toujours ouvert, mais finalement c'est tout fermé là-dedans. Hein. C'est tout mort, même le parking est fermé. Et là, vraiment en plein centre, hein, là, c'est l'église juste derrière le monument. Et voici le Saint-Laurent, alors il y a du vent, il fait fret, mais il est 8h30, je croyais qu'il était plus tard, j'étais resté à l'horaire du Nouveau-Brunswick, je me croyais à 9h30. C'est la marée basse, il n'y a pas beaucoup d'eau. En face de Rimouski, l'île au Bic, je crois. Le parc du Bic, il doit être là-bas au fond, donc l'île au Bic. Normalement, on y voit aussi de temps en temps des phoques, ça ne doit pas être la saison, ou c'est qu'il n'y a pas assez d'eau, mais j'en vois pas là. Le béviaire de la cathédrale, c'est tout simplement pour dire que c'est la rue de la cathédrale qui est là, puisque la cathédrale est ici. Le béviaire qui ne sert pas à grand chose, hein, il y a juste un bout d'étage. Ça fait un style. Vous auriez pu le couvrir, hein, parce que ça vous mettrait un petit peu à l'abri du vent. C'est vrai que je suis rarement venu à Rimouski et qu'il n'y avait pas de vent. Hein. Voilà. Deux belvédères à un côté de l'autre. Et il y en a un peu plus loin, le long du quai, il y en a avoir un autre que je suis passé à côté hier à pied en cherchant un restaurant hier soir. La cathédrale. Grand soleil malgré ce petit froid du matin. J'ai pas vu quelle température vous annoncez aujourd'hui. Mais j'espère que ça va s'échauffer. Alors là-bas on a un deuxième. L'hôtel
celle des gouverneurs un peu plus loin. Le centre commercial qui est censé être ouvert mais qu'il n'y a pas fini de vivre les bons morts et qu'on ne peut pas trouver d'accès. L'église et l'autre belvédère qu'on va croiser tout à l'heure. C'est vrai que ça sent la mer, d'ailleurs ça s'appelle la promenade de la mer, même si on est au tout début de l'estuaire de Saint-Laurent. Hein. On va traverser beaucoup plus loin là-bas du côté de Matane. Donc plus haut, de ce côté-là, c'est Québec et Montréal, donc c'est plus dans le, beaucoup plus bas dans le fleuve. Et là, on est plus dans le match, et on voit déjà pas le bout. Hein. En face, confirmation de ce que c'est l'île Saint-Barnabé. Il suffit d'y aller, panneaux. Allez, petit tour en ville. Alors, ça c'est la rue Saint-Germain. Vous êtes ici, et là qu'on est ici. Alors, on est ici, en feu, pas loin de la mer. Et la rue Saint-Germain, une des deux rues importantes. La maison du spaghetti. Oh bien, alors, comme partout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurants. Le peuple Saint-Barnabé qui donne juste à côté de mon hôtel. J'ai vu qu'il y avait une autre porte. Parce que ça y en avait le petit tour, on est à l'hôtel Saint-Germain. Et juste à côté, il y a l'entrée marquée Pub Barnabé. Saint-Germain, la cathédrale Saint-Germain en travaux, avec l'accès principal fermé. Le presbytère Saint-Germain, qui se trouve juste à côté. Le voici, le voilà. Presbytère Saint-Germain. J'aime mélanger hein, le moderne et l'ancien. C'est vrai que c'est assez drôle de voir une Sainte Vierge sur un truc moderne et d'avoir l'autre sur son piédestal face au Saint-Laurent et aux emplacements panoramiques et belvédères pour la vue sur le fleuve. Le presbytère et puis la statue, là, c'est les années 1920. Ici, nous sommes sur la plage. Qui explique qu'il y a eu un incendie qui a ravagé les tiers de la ville. Tout par terre, le nom de la place à cette date commémorative. Un bâtiment moderne sur cette place. C'est la salle de spectacle des Jardins Télus. La promenade du fond de mer. À côté de la salle de spectacle, le musée régional de Rimouski. La salle de spectacle, la cathédrale et derrière le presbytère de 1920. Et donc ça c'est la place du 8 mai. En souvenir de l'incendie qui ravagea une très grosse partie de la ville. Le feu avait pris dans une usine de bois et avec des entrées violentes, des étincelles se sont propagées partout. Et on détruit plus de 230 maisons. Le musée. L'office du tourisme de Rimouski. L'Institut maritime du Québec. Voilà, alors à la place de l'Institut maritime et puis de la bestiole qui braille là au-dessus de mon nez, il y avait un orphelinat qui a été détruit par un incendie lui aussi en 1907. C'est bien sur cette place du 8 mai, il y a des panneaux explicatifs sur tout ce qui peut se passer dans la ville. C'est très agréable pour le touriste moyen comme moi. Et on continue sur. Saint-Germain. Et Saint-Germain est un peu plus commerçante parce que là il y a plus de boutiques
que le restaurant. Là-bas, c'était plus la partie restaurant, là, c'est la partie boutique. Et là, ils ont encore des vidéoclubs au Québec, chose qu'on a pratiquement plus chez nous. Voilà, Jean Coutu, pharmacie qui vend tout, même à manger. Et là, par contre, c'est un petit centre commercial, je me rappelle, parce que c'est les Halles Saint-Germain. Voilà. Ça, j'y avais été avec Monique et Steve. Les Halles Saint-Germain, voilà. C'est un tout petit marché couvert. On ne peut même pas dire que c'est un marché couvert, c'est un centre commercial d'épicerie fine. Une fromagerie, une chocolaterie, une pâtisserie, un bout de salon de thé, épicerie fine, bien décoré, agréable, il fait chaud là-dedans, mais c'est tout. Toujours en longeant le Saint-Laurent. Ici, on devrait arriver au bout de la rue Saint-Germain, on va remonter la rue parallèle. On croise encore des bars. Ici, nous avons donc KFC, version québécoise. C'est PFK, poulet frit du Kentucky, et non pas KFC, comme on a pu voir au Nouveau-Brunswick. La rue Rouleau, le boulevard Saint-Germain, ici nous avons un dépanneur et un gazobar. Plus haut que le Saint-Laurent et la rue Saint-Germain, on va attaquer par la rue Sainte-Marie. Rue parallèle à la rue Saint-Germain. Alors ça, c'est l'arrière du presbytère. Et on a de nouveau la cathédrale. Avec un grand soleil, un grand ciel bleu. Maintenant qu'il est 9h30, qu'on s'est un petit peu habitué au froid, eh bien il fait beaucoup moins froid au final. C'est le vent qui est frais. Transformation de la rue Sainte-Marie en rue Saint-Pierre. Le Saint-Laurent, le soleil qui commence à taper. Il commence à faire bon. Livraison au bar du coin de la bière La Belle Gueule. La rue Saint-Pierre. Mignonne de petite rue ça. Jolis escaliers extérieurs, l'unique thaï. Ils mangent thaïlandais, ils mangent canadien, ils mangent pizza, ils mangent tout. Hein. Il n'y a pas de problème au niveau alimentation ici. Petite rue, mais contrairement à ce que j'aurais pensé qui était commerçante comme la rue Saint-Germain, non, finalement, non, il n'y a que la rue Saint-Germain où il y a des commerces. Là, on retombe sur la pharmacie Brunet. Et puis le reste, c'est des rues d'habitation. Voilà. Nous voici arrivés au niveau de la gare. Alors, gare moderne, nouvelle, avec des abris pour les voyageurs. Mais dans le temps, la gare ressemblait à ça. Voilà. Avec un rang bien distinct qui a brûlé, qui a été détruit. Non, brûlé, c'est bien ce que je dis. Et puis à côté, on avait l'hôtel Langham, qui est devenu un autre hôtel, le château Tracy, puis ça fait faillite parce que personne ne prend le train, comme beaucoup de choses se perdent. Et ça a été détruit, devinez quoi? Par un incendie aussi. Il n'y a que des incendies ici, c'est pas possible, c'est la ville des incendies. En tout cas, et la gare de Rimouski. Rimouski, 3 minutes d'arrêt. C'est vrai qu'il y a tous les parkings payants qu'il y a ici. Je comprends que la ville soit un peu morte et que les centres commerciaux extérieurs, parce qu'il doit bien en avoir, je suis sûr qu'il y en a, ben c'est eux qui ont pris le pas sur le reste. Un petit square sympathique pour nous rendre sur la rue de la cathédrale. Et monter direction chez Lucien. Le vent est quasiment tombé. La température est bien remontée. C'est très agréable. Et voici, je suppose, arrivé rue de la cathédrale. Ou si on n'y est pas, on ne doit pas en être loin.
joli petit manoir. Je ne suis pas trompé, on est bien rue de la cathédrale. Non pas celle-là, ça c'est un au bienfait, chocolaterie pâtisserie. Belle pâtisserie, hein. Ça doit compter un bras pour acheter un gâteau ici. Il semblait bien que c'était un truc gâteau. Archevêché catholique romain de Rimouski. Alors une bâtisse qui a été construite vers les années 1900, d'ailleurs c'est pas vers les années, c'est 1901 le début des travaux. Et ça a été terminé en 1946. J'aime bien cette maison avec son escalier, voilà. Elle est belle, l'escalier. Il est fermé, mais il est beau. De l'évêché, le bâtiment avec la grosse pendule qu'on a vu tout en bas, c'est tout simplement les séminaires que ça s'appelle. Le séminaire qui s'appelle maintenant la cégep de Rimouski était au départ des bâtiments pour former les curés, bien évidemment. Et il y en a eu plusieurs, ça c'est le cinquième, le premier a pris feu, le deuxième a pris feu, le troisième a pris feu, etc. etc. Et en fin de compte, ce cinquième n'est que le quatrième modifié. Voilà, c'est le quatrième séminaire qui a été agrandi. Et maintenant, c'est donc une université pour tout le monde, mais pas que pour les curés. Donc c'est ça qu'on avait vu en bas et qui est à côté du presbytère de là-bas, de l'église. C'est catho ici quand même. Hein. On va sur le boulevard Rouleau, au fond du boulevard Rouleau, le Saint-Laurent, et on va monter le boulevard Rouleau à la place de prendre celui de la cathédrale. Voilà, encore un stop avec 4 stops, ou un arrêt avec 4 stops. On est à l'intersection de la rue Rouleau et de la deuxième rue, à côté du Colisée. Et je vais quitter la rue de Rouleau, je ne vais pas aller au bout du rouleau, non. Mine de rien, c'est pas à côté. Voilà le plan que j'ai téléchargé avant de partir. Il faut que j'aille ici. Et moi, je viens quand même de là, hôtel Saint-Germain Rimouski. Ça fait un bout, il annonce 40 minutes. Maintenant qu'il fait super bon par rapport à tout à l'heure, c'est pas dérangeant. J'ai même ouvert le col du blouson. Et comme ça, on fait toutes les petites rues agréables de Rimouski pour aller sur les hauteurs de Rimouski. Il y a l'air d'avoir, voilà, centre d'achat et vu sur le Saint-Laurent là-bas au fond, sur la petite église qu'on a croisée sur le chemin. Et ça grimpe parce... alors je monte, ça grimpe mais je monte tout en haut de la butte, le Saint-Laurent. Et un des champs d'achat qui doit être la périphérie de Rimouski. Voilà pourquoi il n'y a plus de commerce en ville. Ils sont là, comme chez nous. Donc chez nous, on a copié chez eux, puisque eux ont copié chez les Ricains. Tout en haut de la côte. Et bon, hein. Avec un bout de papier où c'est qu'il n'y a pas de rue, à part les deux plus importantes, le voilà arrivé à la rue de la Normandie, tout en haut de Rimouski. Une belle petite maison pavillonnaire, et c'est là qu'il est pas là, que j'ai pas l'air con de m'être tapé tous ces kilomètres pour rien. Bon, on redescendra à l'hôtel. Ils ont des jolis petits patios aussi, j'aime bien quand ils font des petits trucs comme ça pour... alors, comme partout. Alors là c'est plus serré parce qu'on est en ville, mais il n'y a pas de séparation d'un jardin à l'autre. Ça c'est peut-être le truc qui me dérangerait moi, d'habiter d'ici, pas avoir de séparation. Alors là on est à la rue d'Alsace, la rue de Normandie, tabernacle, on est où? En plus de la rue Générale de Gaulle, on est bon. 222, on approche. Cathédrale, ça porte bien son nom puisque la cathédrale est tout au bout. Voilà.
Donc on va redescendre par là, tranquillement jusqu'à l'hôtel, on va récupérer la voiture. Ah, c'est marqué là, rue de la cathédrale. Là-haut, ça grimpe. Rue de la cathédrale, c'est direction centre-ville, c'est indiqué là. Et on commence à revoir quelques commerces depuis déjà 2-3 maisons, des stations-service, des pizzerias, des restaurants. C'est que ça sent bon le centre-ville. La cathédrale, Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Paul, on a passé aussi la 8e rue, la 5e rue, la 4e rue, et on retombe sur la belle pâtisserie qu'on a croisée tout à l'heure. Et on a fait un bon petit tour en tabarnak et surtout à pied. Et donc on va descendre vers l'hôtel, récupérer la voiture, faire un petit tour. Retour au pied de la cathédrale, rue Saint-Pierre, rue Sainte-Marie. Et au bord du fleuve. Retour au bord du Saint-Laurent. La cathédrale, sous le soleil, sous la chaleur, il fait bon, le vent est parti. C'est très agréable. Rue René Lepage. Alors on va voir si l'eau est revenue. Bah oui, voilà, voilà. Voilà, voilà. La marée est montante. Cette fois-ci, on a de l'eau un petit peu plus près. On va s'en rendre jusqu'au bout un peu plus tard. Je ne sais pas à quelle heure ça se passe. Voilà, il y a le bureau de Saint-Laurent qui monte. C'est quelque chose quand même. Et on voit que l'eau arrive doucement, mais elle arrive. Doucement, pas si doucement que ça, hein, elle arrive même assez vite la marée. Un petit panneau explicatif, bien sûr qu'il y a l'étage en dessous. Hein. On explique les marées à cause de la lune. Sans la marée. Avec la marée. La télévision VTL, la cathédrale, le truc pour les curés là-bas au fond, la salle de spectacle, le musée, l'office du tourisme, l'office Morton. Et Saint-Laurent. Alors ici on a quand même deux marées hautes et deux marées basses par jour. Ça y est, bah, l'eau est arrivée jusqu'au niveau du muret de ce côté là. Pas encore de l'autre côté mais ça arrive là. Deux marées hautes, deux marées basses. De la petite tour extérieure, on a maintenant en plus là un petit tableau qui nous explique tout. 14 octobre, 11h30, marée actuelle montante, dernière marée basse à 7h30, la prochaine marée haute à 13h36, la première basse à 19h47 et la prochaine haute à 1h du matin. Et le Bitonio là en haut, il sonne. Wow.
pour indiquer la marée qui monte et la marée qui descend quand celle-ci est au plus bas et au plus haut. Voilà. On a donc le Saint-Laurent presque plein. Il est temps de récupérer la voiture et d'aller faire un petit tour.